Je participe à la conférence en tant qu'observatrice avec l'organisation Alaouit pour la protection des aveugles marocains. Ce qui me pousse à participer personnellement à la conférence, c'est que c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'espère vraiment que ce traité sera signé. Et donc parce que je suis personnellement concernée par la problématique de la lecture et de l'accès du livre dans ma vie quotidienne, professionnelle et personnelle. Alors j'espère que la conférence apportera des solutions et qu'elle répondra à nos attentes de manière concrète et claire et égale pour tous les non-voyants du monde entier. C'est-à-dire que je voudrais pouvoir, en tant que non-voyante marocaine, pouvoir m'inscrire à des bibliothèques, par exemple, pour non-voyants dans d'autres pays, sans qu'il y ait cette obligation de passer par des organismes. Il faudrait que les exceptions de la propriété intellectuelle puissent être exportées d'un pays à un autre et que des individus puissent en profiter. J'aimerais que ces livres soient disponibles dans un format qui nous soit accessible et aussi opérationnel. Je dis non à la vérification de la disponibilité commerciale parce que cela pourrait entraver sérieusement notre accès à la culture et ça pourrait presque annihiler l'effet de ce traité.